Je suis un héros ensorcelé. Je parle aux animaux, j'adore voler. Si tu rêves aussi de ciel immense, suis-moi mon ami, saisis ta chance. Je m'appelle Nils Holgersson, viens je t'emmène à l'aventure. Nils Holgersson, à nous le monde et la nature. Nils Holgersson, que tu ailles, qui que tu sois, tu peux toujours compter sur moi, car sur le soleil on s'envole. Nils Holgersson. Je le veux. Les enfants, un orage s'approche. Nous allons atterrir pour nous protéger. Merci, il me va comme un gant. Et maintenant, allons nous amuser un peu. Et voilà. On ne peut pas lui laisser mon gant de foudre. S'il l'utilise, ça va être la catastrophe. On va aller le récupérer. Allons trouver Nils, vite, on va avoir besoin de son aide. Nils, 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 oh, regarde ce que j'ai trouvé. Écoute ça, écoute. T'as entendu ça, Martin? C'est atroce, non? Calme-toi, Gorgo, il ne le pensait pas vraiment. Chut! T'en fais pas, continue à t'entraîner. Quoi? Aller dans le repère de l'elfe noir pour récupérer le gant de Roxor? Pas question! Mais qui va m'emmener au repère de l'elfe noir alors? Herman, pardi! C'est vrai ça, Herman court beaucoup plus vite que toi. Et Lina, tu me prêtes Herman? Je te prête ce vieux râleur de Martin en échange. Tu te souviens? Tu m'as dit que tu avais toujours rêvé d'avoir un oiseau au lieu d'une hermine, non? Non, Herman! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as fait beaucoup de peine à Herman. C'est vrai que j'ai dit à Nils que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un oiseau pour pouvoir voler. Mais maintenant, je n'imagine pas avoir un autre compagnon que toi. Alors on oublie ça, d'accord? Tu pourrais essayer d'être un peu plus délicat. Les mots peuvent blesser et causer des disputes, Nils Holgersson. Et maintenant, en route! Allez, c'est parti, Martin! Pas question! Tu m'as fait de la peine! Tu as été méchant avec moi! Oh, arrête, Martin, tu plaisantes! Non, tu m'as traité de râleur et tu as dit que j'étais trop lent! Oui, mais je ne le pensais pas vraiment, tu le sais bien, non? Bon, je suis désolée, Martin. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. S'il te plaît, tu peux m'accompagner au repère de l'elfe noir? Bon, d'accord. Ce gant de foudre sera la plus belle pièce de ma collection. Non. Attends.
Ce gant ne devrait pas rester ici. Grâce à lui, je peux écraser tous mes ennemis. Quoi? Mais non, 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 non! Ce gant est le plus beau de mes Ocpocratus. Il doit rester ici. Non, non, grâce à ce gant, je vais réduire en miettes tous mes adversaires. Non, sa place est ici. Non, 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 non! Merci, Herman. C'est ici. Attendez-nous ici, tous les deux. Nous serons bientôt de retour. Pas de problème. On serait trop nombreux si on allait tous dans le repère de l'elfe noir. Herman et moi, nous allons, surveiller ces rochers. Vous pouvez compter sur nous, hein? Je continue de penser que ce plan est une erreur. T'en penses quoi, toi? Je vois. Ça va être super sympa d'attendre avec toi. C'est mon camp. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, c'est à moi. Non, 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 à moi. Je vois double, quoi. Oh. Hey, tu es moi et je suis toi. La foudre nous a séparés en deux. Hein? C'est fantastique. C'est la catastrophe. Avec un elfe noir, c'était déjà compliqué. Alors deux, c'est affreux. Je suis un vrai génie d'avoir volé ce gant à ce pauvre type. Hey, c'est moi qui suis génial. C'était mon idée de voler Roxor. D'accord, nous sommes tous les deux géniaux. Même si je suis quand même bien plus génial que toi. Dites-moi juste une petite question. Je vous appelle maître, tous les deux, ou bien... Bien. Ça suffit, la plaisanterie. Donne-moi ce corps de foudre. Pas question, je le garde. C'est moi le stratège et le plus intelligent. Et je suis le plus affreux et le plus cruel. Vite, il faut agir maintenant pendant qu'ils se disputent. Attends-moi ici, je vais chercher le gant. Non, je ne reste pas ici. Je vais chercher le gant. Non, c'est moi, je te dis. Non, c'est moi. D'accord, on le joue à Shifumi. D'accord. Pierre. Papier. Ciseaux. Les ciseaux coupent le papier. Je vais chercher le gant. J'ai gagné. Oh, oh. Rends-moi ce gant. C'est mon tour. Attention. Rends-le-moi. Non. 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 Oh. Ils ont volé mon camp. Rattrape-les. Et pourquoi c'est toi qui acrobate? Parce que... Yaha! Plus vite, ils le rattrapent. Oh là là. Ils devraient déjà être revenus. On devrait... aller voir, tu crois pas? Oh, et puis flûte, j'y vais. Cours, Martin! Cours! À moi, Racine! Bien joué. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Nils, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra jamais les combattre tous les deux. Il faut qu'on les réunisse. Tu as raison. Et on va utiliser le gant. Un coup de foudre les a séparés. Un coup de foudre les réunira à nouveau. Mais tu crois que tu vas savoir t'en servir? Oui, Roxor m'a montré. Mais je ne pourrai y arriver que s'ils se touchent l'un et l'autre. J'ai une idée. Je vais déclencher une dispute entre les deux elfes noirs. Regarde bien. On a le gant de foudre. Mais je ne sais pas à qui je dois le donner. Lequel de vous deux est le chef? Toi
Ou toi? Moi, évidemment. N'importe quoi, je suis le chef. Ah bon? Tu es sûr? C'est pourtant lui qui volait sur le dos de Crobat. C'est moi, moi et remoi. C'est à mourir de rire. Rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ça marche, à nous de jouer maintenant. Non, mais tu t'es regardé. Tu es tout ratatiné. Un chef, ça a de la classe. Ça se tient droit, comme moi. Lina, à toi! J'arrive, maître. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour votre aide. Dis, tu peux nous jouer un peu de ta musique? Oui, bien sûr. Je vais vous jouer mon nouveau morceau. Écoutez. Tu ne trouves pas que cette musique est magnifique? Non, je n'aime pas trop. Mais waouh, j'adore comment tu danses. Tu trouves pas, Martha? Salut Roxor, salut, salut Lina. À bientôt. Où étiez-vous encore passé tous les deux? Regarde, Nils, je me suis beaucoup entraîné. Écoute ça. Bravo pour ta persévérance, Gorgo. Merci, c'est gentil. Tu ne crois pas qu'on devrait y aller parce que on risque de prendre du retard sur notre migration? Quelle mouche te pique, te voilà bien préoccupée par notre migration? Eh ben, je pense, je suis sûre qu'il aimerait bien voler. Oh, oui, volons.